Angèle, la chanteuse se livre d'un documentaire prévu fin novembre sur Netflix. Que faire en ce mois de novembre? Vous êtes un admirateur d'Angèle, cette chanteuse vous passionne. Netflix vous réserve une incroyable surprise. Alors vite sur streaming. Le compte à rebours est enclenché. C'est une célébrité belge qui a plusieurs cordes à son arc. Et oui, Angèle était disposée au métier de la culture. Elle se nomme Angèle van Laeghem, née le 3 décembre 1995 à Uccle, Bruxelles capitale, de parents, artistes. Après un confinement, de mars 2020 et une pause bien méritée, elle a travaillé sur divers projets qui se concrétisent en cette fin d'année 2021. Cette jeune chanteuse tant attendue par ses fans, va leur annoncer de belles surprises pour les remercier de leur affection et de leur soutien. Cette collaboration avec Netflix donne à ses groupies ou à d'autres individus qui ne la connaissent pas encore d'apprécier cette interprète en toute simplicité. Son amour pour son métier et pour son public lui a permis de créer, de parler de sa personnalité et d'évoluer dans une profession musicale aussi vite. Angèle dévoile ses secrets les plus intimes à ses fans en streaming. La jeune femme a voulu témoigner de ses impressions face à l'évolution de sa carrière. La star belge révèle sa vie personnelle en se remémorant la provenance de son équilibre frêle entre la solitude et la joie de sa célébrité, exposée sur la plateforme Netflix. Notre artiste d'origine très discrète s'est prêtée au jeu, en restant elle-même. Ce documentaire reflète la simplicité de cette femme devenue une vedette populaire en pleine gloire. Le film se nomme Angèle qui a été co-réalisé par Sébastien Rançonner et Brice UDH. Il sortira le 26 novembre prochain sur Netflix. La séquence durera environ 1h30. Surveillez votre streaming afin de visionner l'aventure inédite d'Angèle. Ce documentaire sur sa carrière permet d'attendre le lancement de son second album nommé 95. Les admirateurs trépignent d'impatience. Le premier titre intitulé Bruxelles, je t'aime est sorti sur la plateforme de streaming. Patience, vous pourrez vous le procurer le 10 décembre prochain. Et retrouverez la complicité avec le rappeur Danso. Mais Angèle ne s'arrête pas là, en pleine effervescence, elle annonce également une grande tournée en France. Elle accomplira le tour des Zéniths français pour revoir ses fans, à partir du 20 avril 2022 à Reims et s'achèvera le 2 décembre 2022 à la Défense d'Arena. Les billetteries seront ouvertes à partir du 5 novembre 2021. N'attendez pas pour réserver vos places. Avant que tous les tickets soient vendus.